Mauvaise nouvelle pour ancien Premier ministre Jean-Henri Seyan. Après le Canada qui fin imposé sanctions sur GSA, malheureusement c'est Kounia des sanctions qui ont venu dans la coupe pays d'Haïti. Mesdames, mademoiselles et messieurs, la Songe Bank a finalement bloqué tous les décomptes anciens payés de Tegenyen et finalement un pile détail qui prend la rue. N'a pas rappelé tout mes frères et sœurs amis, Jean-Henri Seyan qui c'est ancien premier ministre Jovenel Moïse et un élément extrêmement important dans la politique du pays d'Haïti, où il y en a qui est beaucoup plus ancien sur cette politique là par rapport à ancienneté ou bien expertise monsieur Sayo gagné. Donc finalement monsieur a pas bien dormi la caille bien bonheur dans matin, tu commencé à gagner des coups de fil qui t'a fait pour finalement te gagner des analyses qui t'ai produit par bon côté équipe Jean-Henri Seyan. Mais mesdames, mademoiselles et messieurs, n'a pas rappelé que l'ancien premier ministre là, lui-même personnellement, il fait face à un pile difficulté. Dans le moment où parlé à travers même émission, ça n'a pas parlé de département d'État États-Unis à travers un document publié qui s'est Travel Gouv et finalement li a parlé des alertes sécurité niveau 4 sous question ça qui a passé dans la coupe Port-au-Prince. Mais il y a demandé pour tout Américain qui en Haïti yo pour quitter pays rapide par rapport à question insécurité, kidnapping, nan trouble civil. C'est quelque raison qui en dans document cela. M'bral expliquer, m'bral bon détail. M'bral don paquet de bagaille qui passait dans pays ça. Et finalement, la demandé est-ce que Haïti par jamais fait face à un bagaille qui une série de bagaille qui est capable de permettre que nous avancer plus plus. Bonjour, bonsoir pour nous tous. Comment nous y est-ce que n'a pas qu'aimé, non pas c'est nèg cap fait causer. Quel que soit Jean Bagalaye, quel que soit côté lié, nous allons chercher le nap pour le barou avec un pile intérêt, mesdames, messieurs. Dans ce qui est à quoi avec les sanctions que le Canada a été imposées sur diverses personnalités dans la coupe pays d'Haïti, qui t'a comme quoi qu'il y a des nèg, t'as coup, mes frères et sœurs amis. Jean-Henri Seyan la donne, mais d'après plus que Jean-Henri Seyan, mesdames, messieurs, c'est une personnalité qui te gagne en pile intérêt dans sa capacité, surtout dans le Canada. D'après plus, mesdames, messieurs, monsieur Saha, qui c'est ancien premier ministre Jovenel Moïse, il y en a qui était. Qui t'a bataille sous Jovenel Moïse et n'a pas plus que nex a été fini dos à dos premier ministre Henri Seyan avant moi tout détail mouché sa fête monsieur fête 27 septembre 1956 on a qu'à dit élément ça monsieur gagné 66 l'année dans moment même n'a pas parlé là et c'est une personnalité et j'ai comme t'ai annoncé déjà qui est beaucoup plus ancien la question politique pays là ou t'a qu'à parler que yon en est qui qui a fait un pile mouvement donc monsieur fait à quoi d'émission dans commune Tabar et monsieur c'est yon notaire d'a dit yon en est qui très connu et dans question terre dans la coupe Port-au-Prince et n'a dit que c'est un homme d'état haïtien. C'est ancien candidat à la présidence de la République à plusieurs reprises et monsieur était premier ministre 17 septembre 2018 au 18 mars 2019. Monsieur Bat finalement faut pile le temps parce que c'est à taïkode en papier ancien président Jovenel Moïse donc qui finit donc monsieur quitté précédé Jacques-Guy Lafontaine, Jean-Michel Lapin et finalement Joseph Jout. Mesdames, messieurs, dans la note que la Songe Bank publiait, Songe Bank expliquait, on va essayer de voir comment on garder la note là pour nous. Songe Bank expliquait, conformément à la disposition dans la convention des comptes qui existait, entre Jean-Henri Seyan et la Société Générale Haïtienne de Banque SA,
à savoir Songe Bank. Mais mesdames, messieurs, Songe Bank expliquait nous y a des regrets pour y informer à qu'un et informer que y a décidé la date 24 novembre 2021 à clôture des comptes liés si d'après ouvert au votre nom dans ces livres. Monsieur expliquait, mesdames, messieurs, tout de suite après analyse qui est fait, démarche qui est fait, est obligé de bloquer tous les décomptes. On a rappelé que Henri Seyan qui gagnait des comptes, un compte dollar, un compte good, compte dollar, et compte lance, numéro compte lance c'est 1070 16 206 et compte dollar c'est 29 0005. Et Henri Seyan, selon Songe Bank, Malvin là encore, qui gagne sous compte dollar 2138.02 dollars US. Et compte Goodland, mesdames, messieurs, monsieur, gagne 106 574 000 gouttes. Avait dit son nègre, il pas même gagné 200 000 gouttes, 40 000 dollars sur compte. Ok. Mesdames, messieurs, avant que nous baillons positionnons, monsieur, on a même l'être là expliqué. Il y a un chèque qui direction déjà mette sous nom, qui gagne quantité l'argent. Ça y est, monsieur, parlez nous là, mesdames, messieurs. Et monsieur expliqué dans même lettre là expliqué yo capable ramasser monsieur capable prendre chèque ça dans circuit sale qui dans toujours et finalement monsieur capable dégager pour voir qui ça arrive. Voilà, avance. OK, après ça j'ai fini faire mes décomptes et premier et ancien premier ministre Angela Kaili n'a pas rappelé que gagnait le journaliste John Colum Moven, monsieur t'a expliqué comment on est que Jean-Henri Seyan t'a fait que 100 000 gouttes seulement sur canne. D'après vous, c'est un compte. Il a gagné. Et Songe Bank, c'est une banque qui existe en Haïti. Il y a plusieurs autres banques. Mesdames, messieurs, je vais vous expliquer que 90% de banques en Haïti qui choisit pas qu'un bécob Lambotte, c'est Yann Sabrina Becker Avanteli, Jury avec Lambert, avec l'autre encore. C'est parce qu'il y a une grosse banque dans l'international là qui menace pour ne pas dire la qui encore. Et selon moi, encore une fois, si Banque USA Canada pas dit la qui est banque, c'est une banque qui trouvait le recteur nul au néant et probablement qui est capable. Crasé, mesdames. Voilà. Monsieur le ministre, l'ancien premier ministre, Jean-Henri Seyan, monsieur qui écrit protecteur citoyen, à savoir Renan et Douville, monsieur me dit, sous ça qui vient à quoi, Sanction Canada prend compte Lio. Il dit le victime de yon ami qui pa gen non. Il parle tout sous décision, il dit quelques banques en Haïti prend pour fermer compte li gen la kayo malgré yo kon di gen rapport pa gen di rapport client ak yo même ces bagay privé. Jean-Henri Seyan indigné, se fâché. Je dis c'est anormal pour que il perdu. Yo fermé compte ça yo et deuxièmement yo lagué toute information ça yo dans la rue. Information ça yo, c'est des informations qui étaient supposées être comme des informations confidentielles. La Pablo mesdames messieurs, en 2018 et 2019 ça monsieur était premier ministre, c'est nèg qui était con moi Jean-Pierre Code n'a pas appelé ça. Et c'était marché conduire.
mais Dakati, c'est son personnalité qui fait face à une difficulté côté eux-mêmes personnellement au domaine de pays. Il n'y a pas de travail pour retirer le pays dans sa salle. Bas sur que Kounia, il n'y a pas besoin de pays pour échanger. Quelle décision ça, au niveau gouvernement? Bon, ce que nous avons appris, c'est autorité locale qui te baille délégation de l'État central. Que vous y en a maintenant, il te baille garantie que vous n'avez pas besoin, même pas du temps avec nous. Et même, il y a pas un jeu, il y a pas un barrière. Et de fait, nous finissons une réunion sous frontière, tout le monde entré à 4 de l'après-midi, et utiliser des jeunes qui t'ont supporté nous. Sous frontière avec petits moyens et puis on fait une barrière, mais pour nous au niveau personnel c'est une déception totale parce que Haïti en général, le monde entier était supporté le mouvement ça parce que là on monte, si on monte, ce sont les humains pour regarder ça. Haïtien pareil, nous appartenons à la République dominicaine, ça suppose indigné, ça suppose révolter. Mais malheureusement, nous dans le pays, ça veut dire que nous avons intérêt. Peut-être que nous avons intérêt, nous avons fait l'âge, nous avons ramassé l'âge. Nous avons un problème, nous avons un problème. Et il y a un groupe qui est fini, même là, il n'y a pas vu de frontières. Il n'y a pas subi malgré que ce frontière là, mais là il y a mal, là il y a un haïtien, il touche moi-même, il touche moi-même dans un travail, moi comme femme, comme maman, là on regarde si nous sommes sortis. Si mon petit garçon, petit fille, qui a sorti la République dominicaine, qui est venu, torse, nu, des sacs sans pantalon, qui a sorti la République dominicaine, ça a été volé. Bon, ça a été intérêt, intérêt tout comme pas même. Bon, c'est dans ce sens, moi-même, j'ai été décidé de démissionner pour m'amener une bataille, bon côté mon sérieux. Donc vous pensez que le poste au Kregé au niveau gouvernement, t'es quand même chaud, mais les batailles là? Bon oui, j'en ai vu la lettre de démission, un poste que nous t'es occupé. Hein. Moi j'ai un devoir de réserve qui fait moi pas qu'à rentrer dans une démarche. Et pas dans le gouvernement, et puis bon, pas comme position gouvernement pour moi-même. Ma position gouvernement vraiment par rapport à gouvernement de la République dominicaine, moi-même pour m'entrer dans des marches PAM, alors je me suis senti qu'il y a un conflit d'intérêts, moi décidé d'abandonner. Ok. Et Koulia, qui est la prochaine étape qui gagne là dans le cadre du mouvement, puisque ça nous était fait là, c'était fermer barrière, autorité ou l'ouvrir, qui est la prochaine étape là? Au procès étape là, nous citons une petite de stratégie. Je m'en dit là, nous voulons écrire une pétition pour faire ces signatures comme République dominicaine fait demande pour la CDA et conseil de l'ONU. Nous-mêmes, nous parlons de l'ONU qui a violé le droit fondamental monde, pas supposé faire partie de la grande institution pour l'ONU. N'a pas demandé ça. En passant pour faire une vie au guerrier, dans le cahier de charge de bail et représentant l'État, ça qui est plus important pour nous, ce n'est pas seulement exiger Dominique, exiger de l'amour, ça qui est plus important pour nous. Parce que nous avons construit le pays. Nous-mêmes, nous avons le devoir pour nous construire le pays, pas nous, avant nous de faire la loi. Même là, la bataille pour nous doit respecter. Mais nous demandons, produit n'a pas cherché de nous. C'est des produits de 4e, 5e catégorie. C'est des produits de estimés qui ni santé pour Haïtien. La main de l'État, la main de tout Haïtien tout, pour nous sortir une solution facile, pour nous poser vrais problèmes et puis pour nous entrer dans la question structurelle. Parce que filière agricole, par exemple, délégation qui est venue au côté noir, il a dit nous, oui, et caracol, et by 15 000 jobs, nous sommes perdus de job, c'est la théorie que c'est notre, parce que nous sommes pas côté humain, un bon côté délégation. Et by 15 000 jobs, nous avons perdu de job, ça y est, pays d'Haïti n'a pas perdu de job, ça y est. C'est vrai, 15 000 jobs là, intéressant, mais nous cabaille.
Haïtien nous avons 15 000 jobs pour travailler dans le puissance et à mieux rémunérer. Par exemple, si vous avez dit qu'on a mieux rémunéré que ce que tu as fait, le secret de faire plus facile pour nous parce que c'est des étrangers qui viennent et qui captent un salaire misérable et qui tout le monde pour nous. Mais si nous ne savons pas salaire misérable, nous mettons mon côté quand même, nous ne pouvons pas nous la gueule. Cependant, nous savons que nous devons travailler la plus dignité côté de permettre la famille de développer et ça te permet le développement dans le pays et ça t'a réduit le déplacement. Vers la République dominicaine et ça t'a permis tout. Et intéressant qui supposait gagner entre deux personnes parce que nous n'avons pas divisé la République dominicaine, nous n'avons pas fait un pays lui ça, parce que deux petits bouts de terre qui gagnent deux pays là-dedans. Bon, vous avez dit que nous condamnons, vous vivez ensemble, vous même nous condamner, parce que nous vivons ensemble, mais l'orgueil est un pays qui a dominé et qui a accepté la domination, ça, ça, il faut prendre. Alors l'île est le temps pour Haïtiens comprendre que ce descendant de Saline Christophe et les capois créés sont nous sommes peuple dignes, nous sommes peuple fiers pour nous ramasser caractère. Parce que l'État n'a pas qu'à bailler le peuple, il mange, nous ne pouvons pas dire nous c'est pas dire nous c'est peuple souverain. Moi-même de l'État haïtien, moi-même, je dis, on nous permet que paysans nous, entrepreneurs nous, retournent dans la terre pour nous produire, pour nous manger. Et pour notre point frontalier, notre secteur frontalier, pour échanger la fête de manière équilibrée. Ou bien même s'il pas totalement équilibré, mais écart qui gagne pour nous réduire comme ça, parce que si nous ne faisons pas ça, il y a toujours traité nous, j'ai appris nous. Hein. Parce que par exemple, il y a des frères qui sont mieux, qui marchent, ramassés, dans la bonne trié. Produit dominique et pas de caverne, ils ont jeté et puis ils ont trié pour nous venir nous rejoindre encore. Pour moi, trié, je ne pas condamné Moussa, c'est situation pays hein, qui mettait dans l'état ça pour y a exposé action ça, ça en République dominicaine. Bon, ça fait mal, moi je dis, tout passé, l'île est pour nous sortir dans l'indignation pour nous commencer à poser action. Très bien. Parce que donc, nous pas qu'à continuer faire un peuple ça, nous pas qu'à continuer faire un peuple. Pour ne pas respecter le côté le passé. Pour passeport haïtien, nous, en l'œil, c'est plus que tendance à mépriser le monde qui côté passeport. Ça, c'est nous-mêmes haïtiens qui pouvons faire. C'est l'État à tout haïtien qui peut prendre conscience aujourd'hui hein, pour le récamper, pour nous mettre maintenant à la chaîne pour nous avancer. Nous qui sommes au niveau passeport, nous n'avons pas fait notre démarche pour nous créer un réseau. Entre ville frontalière, parce que ville frontalière a une propre réalité par rapport à la République dominicaine. Je pense que c'est le moment arrivé pour nous créer synergie pour nous agir ensemble. Très bien. On souhaite préciser là, et d'ailleurs, c'est pendant tout le week-end, pour recevoir la question, ça, il y a des gens qui ont demandé, essayez de demander aux autorités pour nous, pour qui ça qui fait que manger dominicain, vous avez vendu l'Haïti, donc vous avez plutôt jeté au lieu que vous consommez vous-même, et vous-même là, on souhaite préciser pour nous que. Mon père recevoir bien. Oui, allô? Oui. Vous êtes là? Oui, très bien. Vous me dites que pendant tout le week-end, nous avons reçu des messages de citoyens qui ont dit nous cherchons qu'on est pour eux, qui raison qui fait que produits dominicains ont voyé vendre en Haïti, ou ont voyé vendre en Haïti qui était bloqué à cause de frontières qui étaient fermées, ils n'ont pas consommé lui-même, mais plutôt jeté. Et là, on se dit, on parle qui est vraiment grave là. Donc, guerre des citoyens haïtiens qui ont même produit ça, que les dominicains ont jeté, c'est eux-mêmes qui ont ramassé pour y aller vendre. Et au Dinto, c'est des produits 4e, 5e catégorie, donc qui partent. Oui, parce que le fait vraiment pour nous, haïtiens, mais pas pour eux-mêmes, le consommer. Oui, parce que produits qui viennent et qui vendent même assez d'arabes, Dominique et d'arabes passés, produits ça aux vies, ni pour haïtiens. Alors, échange combien commercial n'a dit, c'est nous qui avons de l'argent, by Dominique et de fait, c'est vrai. C'est nous-mêmes, ça c'est parce que nous sommes toujours des clients, c'est ouais. Première fois, moi, ouais, client, excusez-moi l'expression, parce que c'est quoi ça me passe. Mais intéressant, nous n'avons pas d'intéressant.
Non, pour dire que nous avons une frontière d'arabe, client c'est chien. Parce que nous avons parlé avec des commerçants. Il y a des commerçants qui ont des dépôts dans le marché de la République dominicaine. C'est là tout bien, oui, parce que il y a des dépôts pour produits. On dit que nous importons, ce n'est pas produit par nous, qui dans des dépôts là-bas. Maintenant, avec une moto, il va traverser pour y aller dans le marché. Il y a des gens qui ont dans le marché pour aller visiter, pour aller dans le dépôt. À ce bagaille, qui n'a pas de respect du tout, c'est pas que c'est un commerce à la République dominicaine. Il y a le marché à couvert qui crie, parce que c'est un bon espoir par rapport à nous, pour 4 millions. Association commerce, c'est parti de plateforme. Plateforme, société civile, la même chose. Il y a des campés avec nous. L'un des jeunes garçons qui dit au moto 3 en rouille, il y a qu'un de moto 3 en rouille, sans raison. Et puis, moto 3 en rouille, non, mais ça Haïti qui dit moto 3 en rouille, là, pas qu'à travail, mais qui supporte le mouvement en comprenant après le mouvement ça. Il y a pas de meilleur traitement dans le marché binational. Qu'on y a une répression pour aller malgré des plus, parce que je constatais que c'est le signe en affaire et nous pas gagné. Moi, je suis dit que nous avons 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 dit que nous parce que là, il est en pleine bataille là, il est perdu tout pour soi-même, parce que c'est des gens qui vivent au jour le jour, acceptent que ça est comme ils font sous frontière là, mais ils disent qu'ils vont passer misère. Mais bon, et l'autorité nous a décidé autrement. Nous-mêmes, on ne va pas nous obliger à couper, nous ne pas couper, mais nous estimons que nous ne pas gagner un monde pour défendre nous, nous défendre tête nous. Mais bon. La bataille n'est pas finie parce que nous n'avons pas accepté à traiter les gens plus que nous. D'accord. Nous n'avons pas le droit de camper nous-mêmes. D'accord, merci un peu, Mme Wildline Pierre. Merci. Voilà, Mme Wildline Pierre, ancienne directrice départementale, ministère environnement, qui était en direct avec nous pour parler de situation Sahara qui gagnait sous frontière là. Et bon, c'est des bagues qui ont fait mon crier. Ma première, tout est bon mouvement que tu as fait au niveau de frontière. Il y a ce qu'il y a à Belader, hier midi, on y était en mouvement, toujours dans la même logique, pour protester ou bien pour dénoncer le mauvais traitement haïtien ou subi par la République dominicaine. Mais maintenant, tu as dit ça tout à l'heure, c'est qu'on y a là, qui ça, mouvement ça a capoté. Parce qu'il faut qu'on ait l'État tout qui t'embrasse ces causes-là, qui peut être capable de faire des possibilités chita pour garder la République dominicaine en danger. Et puis pour dire, bon, oui, nous d'accord, gagner une situation, écoutez, moi, gagner des ressortissants là qui ont une situation irrégulière. Donc, on regarde comment nous allons gérer ça, on regarde comment nous capables de traiter les questions. Et conformément à sa loi sur migration demandée, à sa document international sur migration demandée, même l'heure où même on peut appliquer la loi pas ou, mais ou pas un pays qui est isolé, doit fonctionner avec de l'autre pays et nous, en tant que nous signons des conventions, nous signons des traités, et la République dominicaine nous-mêmes tout nous signons. Donc, en nous sommes capables de gérer ça, dans plus sérénité que possible. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour compter à chaque fois qu'on conflit, on dit ça tout à l'heure, toujours, ouais, haïtien, on m'a parlé de l'autorité, ou presque métagé, non? Presque allemand, il parle. Vous comprenez? C'est comme si nous avons plus à perdre. Vous comprenez? Exact, faut, ouais, c'est un 4 000, nous, ouais, à faire, et soit la commission, mais délégation, ou bien regarder qui ça a fait pour aller ouvrir barrière. Peut-être nous avons résilié ou barrière fermée, mais il dit ça le fait faire. Oui. Il dit ça, nous sommes un peuple qui est résilient, qui est courageux, nous habitués pour un paquet de brimades déjà. Nous avons décidé de nous dire qu'il va y nous, nous plutôt manger et vieux malanga, nous vieux hommes, nous vieux lames, etc. En attendant que nous y a pourri, nous n'avons pas. Et puis, on a regardé à la fin de l'année qui est-ce qui apparaît beaucoup plus que mais jamais. Pas besoin de ça possible parce que l'État a fait pression sur mon lieu de barrière. C'est un Dominicani, non? L'État ici. L'État ici? Eh bien, c'est pas fait pression. Mais c'est pas fait pression.
Tant que c'était une commission que tu as créée pour dire que il y a pas indépendance, même pas c'est. On parle pas sérieux. Non mais c'est frustrant pour les gens, comme si pas même, il y a pas même fait même deux jours non avec barrière fermée non. Et puis ouais c'est même monsieur encore qui a pris des râteaux, qui a pris toute bagarre pour craser faire, craser toute bagarre qui était là. Il n'est pas intéressant du tout. Yeah. Pas intéressant. Oui. Nous avons parlé avec l'autre jeune Wadhamet Wilderk Maslin, puisque nous avons gagné un mouvement qui était fait et il a gagné un monde qui était blessé dans le cadre de mouvement ça. Wilderk, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Dans des noms, Wilderk? Oui, oui, moi, t'entends bien. Très bien. Oui, nous sommes parlé tout à l'heure avec Mme Wildlin Pierre sous situation Wadhamet. Là, mais nous rappelons que vous-même, vous êtes un jeune tout qui est en tête mouvement ça. Et vous dites que c'est un mouvement que nous avons fait, quand nous avons traversé droit de et gagné un monde qui blessait ou bien mourir. Parlez-nous de mouvement ça. Merci guerrier, merci tout panélisation. Permettez-moi guerrier, comme un représentant départemental DNP, je dis en fait un mois depuis qu'ils ont assassiné le secrétaire général DNP à Éric Jean-Baptiste. Permettez-moi d'observer. Yon minute silence dans mémoire, Eric, s'il vous plaît, guerrier. Mm. Oui, on dit, on est radio, donc yon minute silence dans l'autre genre. Oui, oui. Long par rapport merci, merci, guerrier, merci. Et juste, yon mois, depuis que nous ne connaissons pas, et nous qui prenons la justice, nous qui prenons que yon yon ensemble avec assassinat, gros potorication ça, qui prend les pays et qui fait pays en pile mal, pas seulement nous-mêmes. Membre DNP et moi pense que c'est tout le pays a jusqu'à maintenant à poser question est-ce que dossier Éric Jean-Baptiste là après que notre roi même j'ai tout le dossier nous après nous pas jamais sorti et nous pas connaît mais nous espérons que jeudi en fait un mois depuis secrétaire général nous assassiné lâchement dans condition que nous connaît que nous détruit et bien pas jamais rien qui dit et jeudi en que son mouvement que pour tout membre DNP pour minute vous êtes tellement dans mes bras, secrétaire général. Très bien. Oui. Oui, on a les coulières sur l'autre sujet, situation migrant, décision qui prend pour faire Ariel, décision autorité départementale qui prend pour relouvrir les mouvements qui ont été faits pour traverser Douanan et nous apprendre de gagner un monde qui est blessé ou bien mourir. Dans un petit détail. Merci Guerrier. Guerrier, moi je suis frustré. Je sens que moi pas senti que moi en mesure comme si pour me t'avoir décrit et gros travail ça l'État haïtien arrivé fait avec oligarque graine dans commune Wadhamet. Et quelques oligarque graine dans la commune là qui mettent tête ensemble avec et gouvernement pour capable faire nous prendre route ça face à la République dominicaine. Et nous-mêmes, en tant mouvement citoyen conscient, Wadhamet, mélangé ensemble avec Poussoi, qui c'est et société civile Wadhamet, côté qui est réuni, pour être capable d'essayer pour tes revendications migrants qui a passé misère à la République dominicaine. Et pendant que barrière fermée, que tout le monde a mis et qu'on est capable de voir tout le pays qui t'a porté solidarité ensemble avec mon monde. Et c'était nous tous qui t'a choisi pour nous dire que barrière n'a pas carré ouvrir pendant que nous-mêmes n'avons pas joindre un consensus entre le gouvernement dominicain et plus précisément que nous sommes capables de dire que magistrat d'Abonnant qui était relâché des propos et des sans contre peuple haïtien. Eh bien, je profite pour saluer le camarade Sonel Germain qui a eu courage pour te camper devant et magistrat dominicain pour te dire avant même que nous commençons toute discussion, nous attendons toute discussion ensemble avec vous, il faut que le magistrat présente une excuse publique à peuple haïtien que l'été a lancé le paquet de mauvaises paroles contre lui. Eh bien, et même moment, guerrier, et magistrat dit tant que il va gagner que le connaît le dit contre nous et tant pour qu'il va présenter excuse il plutôt virer donc qui était nos campés.
Tonel vient donc nous camper, moi-même Tonel et madame Wedlin et tant d'autres monde qui était dans mouvement, nous déplacer, nous traverser nos panneaux parce que yo pas voulu, magistrat pas voulu entrer Haïti pour être capable de venir faire rencontre ensemble avec nous parce que le dépeu via paroles qu'il était relâché. Donc après dans papa nous était capable dans papa. Et bien même moment nous mandé pour capable faire excuse là, les états pour faire excuse et les plutôt quitter rencontre là, même moment les virer et les quitter nous même nous virer dans papa nous tout, nous entrer la caille nous. Et bien c'est même moment ça délégation qui était gain dans tête li Harry et Voltaire entrer en République Dominicaine ensemble avec tout possible pour y aller faire rencontre pendant plus de 30 à 45 minutes ensemble avec magistrat dominicain. Ils ont entré en République Dominicaine. Donc par contre, qui ça a négocié? C'est que nous-mêmes, dans la société civile, dans la commune, nous avons été la caille pour nous être capables d'essayer une réponse à la République Dominicaine. Et bien, c'est même moment ça, après le chef cabinet, ministre de l'Intérieur, sont négociés ensemble avec la République Dominicaine, ils ont entré et puis. Nous tous nous virons dans la caille. Nous allons tous ensemble pour nous voir comment nous sommes capables d'essayer de répondre parce que nous avons un document écrit que la société civile a été en amène pour te soumettre à la République dominicaine ensemble de la gaille qu'il y a posé sur Haïtien. Nous avons même monté contre lui. Eh bien, 15 minutes après nous finir déplacer, délégation à déplacer, nous avons eu l'ordre. Pour ouvrir frontière, pendant que vous finissez le pour ouvrir frontière, ensemble avec Oligat et Jacques Wemdoula, qui baille comme en bas, pour être capable d'ouvrir frontière, pour être capable de sale visage de Mohamed. Mohamed, c'est des gens qui ont des caractères que nous avons. C'est des gens qui riment le pays que nous avons. C'est des gens qui riment la nation haïtienne. On ne peut pas croire que pendant une seconde que nous sommes capables d'entrer dans le jeu de démagogie, ça, comme que l'État haïtien. Tout le monde voit que c'est l'État haïtien qui décide de passer les revendications que le peuple haïtien en bas pied, je dis, comme que toujours on a fait, eh bien, nous-mêmes, nous avons essayé, réunis pour nous connaître qui réponse que nous avons. En dimanche, nous décidons, nous invitons la population à. Dans un marche mémorable que nous avons organisé dans la mémoire de monde qui tombe en République Dominicaine. Et puis tout, nous avons un père qui était choisi par tête li, Père Jacques Saint, et Jean-Baptiste qui était par tête li, et volontairement pour être capable d'essayer de chanter un mètre sous pont dans la mémoire des compatriotes qui sont victimes en République Dominicaine. Eh bien, et pendant que nous avons mobilisé devant l'Église catholique pour nous faire sous pont, et t'es un pile citoyen qui t'est révolté pour ça et bien machin t'est viré en manifestation pour nous dériver en train de douane nous fait preuve que nous c'est des mondes qui solidaires pendant que yon manifestation en train de douane nous t'es capable de paquet causer gagner mais nous mêmes mouvement citoyen conscient Wanamet nous pas gagner pour nous être capable d'essayer à faire démagogie. C'était la République Dominicaine, nous devons. Nous devons avoir une réponse pour nous porter solidarité à nos compatriotes qui sont victimes de la République Dominicaine. Et bien, même moment, nous arrivons, nous campons dans la limite par nous en support. Là, nous campons dans la limite par nous, puis nous tapons comme si orienter la population en disant sans violence, rester capable de nous avons une préparation que nous avons fait pour que nous capable de chanter une messe pour nous dans la mémoire des compatriotes. Et bien, c'est après ça, même Oligat Tête Green Sayo a décidé pour être capable de voir une roche après que nous avons chanté messe, fin célébrer messe, et bien, pour être capable d'essayer d'infiltrer ce que nous avons fait là pour être capable de tirer, empêcher de parce que la population a dit qu'il y a fermé pour nous dimanche là parce que nous avons une mission. Pour nous jouer dans le consensus avant pour nous ouvrir, pour nous faire droit, mais nous respecter. Il y a un bagage qui ne peut pas nous faire gagner. Ok, je dis là, et tant qu'on m'a dit avec Mme Woodlin, nous disons que nous avons concerté, nous avons défini notre stratégie, puisque la situation a retourné même genre, nous continuons à déporter les citoyens haïtiens, toujours dans les mêmes conditions, et barrière là, les ouvrir, donc commerce entre Haïti et République Dominicaine, nous avons recommencé. Qui ça n'a fait? Bon, nous-mêmes, Mme Woodlin Pierre, sur dit le que nous avons continué réunis, nous avons continué et concerté ensemble avec toute société civile qui rejoignent en tant que commune Wanamet
juste pour nous capables d'essayer de continuer à réponse à la République dominicaine, parce que guerrier, il y a des choses qui passent dans la frontière, la guerrier. Comme si on peut. Nous souhaitons que nous voyions un journaliste à l'assister bagaille ça. Nous voyons un monde 9 mois, nous voyons un monde 3 ans, les pieds à terre, tout ni guerrier qui a passé sous frontière là pour entrer. Ça veut dire que nous, la République dominicaine, tellement pour faire que nous ne pas prendre nos moyens. Parce que nous gagnons Ariel Henry et tête primature comme un gouvernement de facto pendant le pays que nous connaissons. Chaque lien entre calmant j'ai plus capojo en République dominicaine ensemble avec Abinadel. Non, mais j'ai plus capojo avec Abinadel. L'oublier si vous avez un peuple. Si le peuple haïtien, il y a une redevance envers lui. Et c'est comme taxe nous-mêmes, il prend, il négocier ensemble avec lui pour pouvoir ouvrir. Ça qui indigne le peuple haïtien, ça qui indigne mon noir d'Amet, jusqu'à maintenant, dans la limite que je parle ensemble avec vous là, c'est que le marché n'a pas fait presque ensemble avec mon noir d'Amet vraiment. C'est mon l'autre côté qui pas vivre ça dans le passé en République dominicaine qui permet. Que, comme si qui finit le marché, et bien je dis, hein, nous-mêmes, nous continuons à constater pour nous bailler le gouvernement haïtien. Nous réponse qu'on y a parce que nous venons passer fierté peuple haïtien en papier là sous frontière. D'accord. Mais c'est un peu le Walder Kermaslin. À ma dire, monsieur Guerrier. Kermaslin, un jeune commune, voilà, mais nous avons parlé avec lui. Matin, avant nous venir sur l'autre sujet, d'après pour nous parler tout à l'heure avec sénateur Patrice Dumont, et nous avons servi de prétexte mondial là, pour que nous fassions parler avec lui sur question sport en Haïti. Et donc, d'après le fait ça, tout à l'heure, Johnny. Oui, mais comme nous disons, tout selon le communiqué qui sorti, beaucoup d'autorités dominicaines, pendant 6 derniers mois, ça y est. Eh bien, autorité et immigration dominicaine, yo pimpé en Haïti plus de 6 000